super. Et la batterie a pris le relais? Ouais. J'arrive dans deux minutes. Dans la brume est une œuvre à part, un objet assez inédit dans la production contemporaine française, puisqu'il s'agit d'un pur film de producteur, à savoir Guillaume Kolbok et son acolyte Guillaume Le Mans, ce dernier co-signant également le scénario. C'est parti d'une envie de producteur slash spectateur où je me suis dit j'aimerais bien voir un film catastrophe à Paris. Et de cette envie là, je me suis mis à chercher des scénaristes et j'ai eu la chance de croiser le chemin de Guillaume Le Mans. Moi j'y ai tout de suite vu deux choses, une histoire simple, une histoire avec un enjeu de famille qu'on pouvait mettre dedans. J'y ai surtout vu l'opportunité de faire un film de genre français ambitieux qu'on pourrait financer différemment. Un film catastrophe, c'est effectivement un axe pour voir plus grand. Il y a des secours. Non, j'ai rien vu. Moi, au départ, tout seul, je m'étais dit, bon, bah, c'est compliqué à financer ce genre de film. Donc, je m'étais mis doucement dans la case, malgré moi peut-être, mais du film à 2-3 millions d'euros. Au final, le film m'en coûte 11 millions et demi, donc c'est relativement gros. Pour ce genre de film, je pense que c'est gros. C'est un film français, c'est pas un film américain. Donc, nos références vont à certains endroits étriquettes, des films comme Le jour d'après, où Je suis une légende, ou dans un autre registre, mais j'y ai beaucoup pensé, et ça va faire très prétentieux, mais La guerre des mondes. Même si aujourd'hui, on a un budget conséquent pour un film de ce type-là français, mais nous, on a pas les 200 millions de dollars pour faire ce cinéma-là. L'essence, c'est l'histoire des personnages. Cet attachement aux personnages fonctionne de pair avec l'obsession principale de Guillaume Le Mans, à savoir concevoir un film impliquant au maximum le public. Mais vu que vous sortez, vous pouvez aller voir Noé? Faut que vous y alliez, s'il vous plaît. Ses parents n'étaient pas là quand ça a commencé. Il doit être tout seul. Ça doit être un pareil qui parle à tout le monde, un appartement qui parle à tout le monde, une situation de vie qui parle au plus grand nombre. Ah, ouais. C'est à ce côté-là, il y a ce côté, c'est la vraie vie, c'est le vrai monde, c'est votre pari, et il bascule. C'est pour choper le spectateur, et que le spectateur, tout de suite, il soit dans l'histoire. Il y a un truc qui était très important, c'est qu'on soit à hauteur de perso. On ne sait de la catastrophe que ce que nos persos savent. C'est quoi ce truc? C'est trop gros pour être une explosion. Une attaque. L'autre grand atout de Dans la brume, c'est aussi son décor, peu exploité dans le film à grand spectacle moderne. Paris est un perso, on n'en voit qu'un tiers, on n'en voit que les toits parisiens sont assez fantasmagoriques, enfin, lourds de légendes, de ratatouilles au fantôme de l'opéra, on circule sur les toits de Paris, et c'est un terrain de jeu dangereux, les toits de Paris, mais c'est un terrain de jeu un peu rêvé, on n'a pas vraiment le droit d'y aller, et puis nous on y va. L'importance accordée au personnage a également conditionné le choix du réalisateur, Daniel Roby. Daniel, la première rencontre qu'on a faite dès le début, il a passé une heure et demie à nous parler des personnages. Là où la plupart des autres nous parlaient plutôt des effets spéciaux, de l'ambition du film. Et Daniel nous a attrapé avec juste un regard sur les persos et puis ensuite sur tout l'aspect effets spéciaux et univers. C'était presque un non-sujet pour lui. Un non-sujet qui a néanmoins mobilisé les efforts de toute l'équipe et englouti une large portion du budget. Déjà, le film est très ambitieux dans sa facture, dans sa construction. Le défi de production de tournage, il était de résoudre l'enjeu de comment on va gérer cette brume. Il y en a partout. Concrètement, il y a trois univers. On est au-dessus de la brume, on est en dessous de la brume, et puis on est à la frontière de la brume. Lorsqu'on est au-dessus de la brume, on a pris le choix de faire 100% de CGI, enfin d'effets spéciaux numériques. Dans la brume, on a un peu travaillé pour trouver la bonne technique. On a fait des premiers tests où on essayait d'enfumer des rues dans Paris. On s'est vite vu qu'il suffit qu'il y ait un coup de vent ou une température qui changeait pour que la brume parte dans tous les sens, c'était pas gérable. Donc on s'est dit, bon, bah, la solution, ça va être de construire des choses en studio. Un décor qui était gigantesque, on a construit 250 mètres linéaires de rue, on a rempli un hangar de 9000 m² de fumée. Ce qui nous a permis en fait de maîtriser complètement l'univers de brume. Outre ses atouts pratiques, ce choix de tournage s'est révélé artistiquement très bénéfique au film. Tourner dans la brume, ça a été assez épique. D'abord, c'était drôle parce que tu rentrais sur le plateau et t'avais tout le monde avec des masques. Donc, c'était visuellement dans un univers qui était assez bizarre. Ensuite, tu voyais pas à 10 mètres. Ça ralentit un peu le processus de fabrication. Et à la fois, ça nous met dans l'ambiance, quoi. C'est-à-dire que les comédiens, ils sont dedans. L'équipe, elle est dedans. On va pas rester là. On va pas rester là. Film catastrophe parisien, œuvre de producteur mettant l'écriture au cœur du projet, grand spectacle parfois sombre, voire anxiogène, dans la brume des broussailles des terres inexplorées de notre cinématographie. Tous les films sont des prototypes, c'est vrai, celui-là encore plus. Je pense que l'essence du cinéma, c'est d'être prototype, et donc dans tout ce que je développe et ce que j'aime produire, je vais chercher des prototypes. Après, je suis pas taré, et je me rends compte qu'il y a un marché, et il faut être pragmatique. On espère qu'on va avoir fait un film fait pour plaire au public. Ce que j'espère, c'est que ce film fera en sorte que les prochains films un peu prototypes et ambitieux trouveront du financement et qu'on pourra en faire un cinéma français un petit peu différent.